Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir pour l'inauguration de mon mini Cassiopée. Il paraît que sur une transatlantique, les émotions sont démultipliées. Les joies sont explosives et les coups durs font craquer. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sens presque prête pour cette transat vu l'intensité des moments déjà vécus à terre sur ce projet. Une période de chômage n'a pas été trop pour penser, prévoir et construire tout ça. Et l'auto-apprentissage est un entourage d'exception et bien sûr de mise pour ne rien lâcher et toujours aller de l'avant même dans les moments de doute, parce qu'il y en a aussi dans ces projets, c'est pas toujours simple. Et il faut continuer à y croire, vraiment. Il y a une fierté de famille, une fierté donc de tes parents, et puis il y a une fierté aussi d'un territoire. Donc en tant que maire, évidemment, je vois ma conseillère, la maire qui ne doit pas être moi, qui m'avait dit « t'es tombé sous le charme de Marie ». Oui, oui, j'avoue. Mais tout simplement parce que vous avez ici une jeune qui est, je dirais, un exemple à suivre. Quelqu'un qui a un projet et qui le construit, qui le finance, qui le gère et qui l'emmène jusqu'au bout, quoi. Et c'est vrai que cette fierté pour un territoire, elle est essentielle. Et je voulais d'abord te remercier au nom du territoire, au nom de l'exemple que tu donnes à notre jeunesse localement et j'irai sur notre territoire de Pornic. Parce que c'est ça qui est remarquable, quoi. Pourquoi est-ce que nous, on a choisi d'être partenaire? Certes, Marie, on l'aide et on l'aide financièrement, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Et pour tous ceux qui êtes ici, je pense que comme vous, comme moi, quand on a vu Marie, quand on connaît Marie, en fait, je pense qu'elle fait partie de ces femmes qui construisent leur destin et un jour, leur destin devient plus grand qu'eux. Tout simplement parce que Marie, tu as une grande qualité, tu sais fédérer autour de toi les énergies pour pouvoir construire des rêves et bâtir des rêves aussi pour les autres, parce que tu es un modèle. Je vais pas te faire pleurer, Marie, c'est pas le but. Bon ben, j'ai plus de mots. Puisque cette fois, vous voyez, j'ai pas des fibres de carbone avec moi, j'ai mon sac de voile. Et oui, aujourd'hui c'est le grand jour, la première nave d'un bateau. Voilà, ça fait à peu près 6 ans que j'ai commencé à le construire, et aujourd'hui ça y est, on y est. Hello, on est le 24 décembre. Et qui a dit qu'on devait faire une trêve hivernale? Moi, je sais pas.